Hello l'ami, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va vraiment t'intéresser vu que je vais te montrer en partageant mon écran une méthode concrète, précise pour trouver des paris pré-match de type over 2,5, donc plus de 2,5 buts en quelques minutes par jour. Donc tu vas analyser, eh bien même c'est une centaine de matchs, ça va te prendre quelques minutes pour aller détecter les bons matchs pour aller placer un plus de 2,5 buts en pré-match. Avant de te montrer tout cela, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne YouTube, de partager un maximum cette vidéo. Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas une de mes méthodes. Voici ce qu'il s'est passé. Steve Brown, qui est le créateur du site Goal Profits avec Kevin Lavrick, envoie de temps en temps un article, okay, dans lequel il explique bien divers sujets. Le dernier article qu'il a envoyé, c'est une méthode qu'il a mis en place en utilisant les custom filters, donc des filtres personnalisés. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne sur Goal Profit. Grâce à ces filtres personnalisés, eh bien, il a mis un filtre efficace au point pour détecter en quelques minutes des paris de type plus de 2,5 buts. Donc, il a expliqué tout ça dans un article. Cet article est réservé aux membres de Goal Profits. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a donné l'autorisation de faire une vidéo sur, eh bien, le sujet de cet article et de pouvoir publier cela sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai 100% des autorisations et c'est vraiment, un plaisir qu'il m'a fait et qu'il nous a fait. Alors, je vais t'expliquer tout de suite, sans perdre de temps, comment fonctionne cette méthode pour trouver des paris de type plus de 2,5 buts, over 2,5, ça va plus vite à dire, over 2,5 en pari pré-match. Je vais faire ça en live ici. Donc, j'enregistre ma vidéo en live sur la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 octobre, mais peu importe, un mardi, il y a énormément de matchs de championnat, malgré qu'il y a la Champions League. En même temps, il y a tous les matchs anglais qui se jouent. Donc, si je te montre ici la liste de tous les matchs, tu vois, je défile, il y a bien, je ne les ai pas comptés, hein, il y a bien une centaine de matchs facilement. Imagine-toi que tu dois analyser tous ces matchs, les statistiques, pour aller chercher les meilleurs paris de type plus de 2,5 buts. Eh bien, ça va te prendre un certain temps, c'est faisable, hein, bien sûr, mais ça va te prendre pas mal de temps. Donc ici, eh bien, ce que je vais utiliser, ce sont les custom filters. Ce que tu vois ici, c'est un outil dans Goal Profit qui applique des filtres sur tous les matchs de la journée dans ce cas-ci. Et alors, j'ai une panoplie de filtres personnels, mais je vais utiliser les filtres que Steve utilise, ok, et qu'il a partagé généreusement. Je vais charger ces filtres, donc ainsi je ne dois pas les retaper, les réencoder, et je vais te les expliquer tout de suite. Quelle est la logique de ces filtres? Je vais déplacer ma petite tête ici. Quelle est la logique de ces filtres? Eh bien, ce que ces filtres vont te permettre de trouver, c'est un match dans lequel il y a une bonne attaque, ok, des bonnes attaques, pardon, donc deux bonnes attaques contre deux mauvaises défenses. Okay? Donc, chacune des deux équipes dans le match a une bonne attaque et chacune de ces deux équipes ont une mauvaise défense ou une défense moyenne. Tu comprends bien que cette logique qui est derrière, eh bien, c'est pour avoir des buts dans un match, vu qu'on a des bonnes attaques contre des mauvaises défenses. Donc, ça, c'est vraiment l'idée générale. Comment les filtres, okay, ont été encodés, ont été déterminés par Steve? Je vais te les expliquer. Ok, accroche-toi bien, hein, ça va te demander de t'accrocher un tout petit peu. La logique ici est de dire, donc attention, c'est en anglais, home team, c'est équipe à domicile, away team, équipe à l'extérieur. Donc l'équipe à domicile a une attaque dans le vert. Je t'expliquerai ensuite ce qu'est une attaque dans le vert, mais c'est une bonne attaque. Okay? Donc on a une bonne attaque pour l'équipe à domicile. Ok. Ici aussi, donc, et une bonne attaque pour l'équipe à l'extérieur. Okay, donc ça, c'est ce qui résume les bonnes attaques. Et on a une équipe à domicile qui n'a pas une bonne défense. Donc ici, tu vois, ici, c'est is not
green defense, ça veut dire qui n'a pas une bonne défense. Et on a aussi l'équipe à l'extérieur qui ne doit pas avoir de bonne défense aussi. Tu vois, ça, c'est le premier groupe. OK? Ce premier groupe-là de critères, donc le groupe 1, va te donner des attaques en vert contre des défenses qui ne sont pas en vert. OK? Pour être très précis. C'est-à-dire, soit des attaques rouges, ou soit la couleur du milieu, je crois que c'est, on regardera par après, mais je crois que c'est jaune, soit jaune ou orange, OK? Soit des défenses moyennes. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, que te donne-t-il comme match? Eh bien, l'équipe à domicile a une défense rouge, donc une mauvaise défense, plus l'équipe à l'extérieur a une mauvaise défense. C'est une subtilité, hein. Et donc, plus l'équipe à domicile n'a pas une bonne attaque, OK? N'a pas une mauvaise attaque, c'est ça que je voulais dire. Donc, attack is not red, donc l'équipe à domicile n'a pas une mauvaise attaque et l'équipe à l'extérieur n'a pas une mauvaise attaque non plus. OK? Donc, tu as le groupe 1, tu as le groupe 2. Au milieu, on a un « ou ». Ça veut dire qu'on va prendre les matchs, que ce soit du groupe 1 ou du groupe 2 de critères, le match va sortir. OK? Donc, voilà pour l'explication de ces critères. Si ce n'est pas clair pour toi, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vais essayer de t'expliquer ça en répondant à ton commentaire de manière encore plus précise si nécessaire. Alors, là, je n'ai pas encore appliqué les filtres. Ah si, je les ai appliqués, pardon. Mais je vais les retirer pour te montrer, hein, à nouveau le nombre de matchs qu'on avait au départ, une centaine. J'applique, donc je charge les filtres de Steve, j'ai appelé over 2,5 par Steve. Là, je les charge, ensuite je les submit, ça veut dire que je les soumets, je les applique. Et là, magie, eh bien, il te reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. Il te reste 10 matchs. Donc, on a au moins divisé par 10, OK, le nombre de matchs que tu vas analyser plus en profondeur. Et attention, écoute-moi bien ce que je vais te dire ici. Quand une fois que tu appliques ces filtres-là, le but de ces filtres, ce n'est pas de te donner comme ça des pronostics, des paris pré-match sans que tu regardes plus et que tu les places comme ça à l'aveugle. Il ne faut jamais faire ça. Ce que te permettent de faire les filtres, c'est de limiter la liste des matchs que tu dois analyser. Donc, tu crées une shortlist avec quelques matchs que tu vas analyser plus en profondeur. C'est très précieux comme outil vu que tu ne peux pas aller analyser en profondeur la liste de matchs initiale que tu as sur la journée, c'est-à-dire la centaine de matchs. Tu comprends bien que c'est impossible d'aller s'intéresser en profondeur à chaque match. Par contre, maintenant que tu as 10 matchs, et je trouve ça encore un peu trop, donc on va encore les diminuer, mais maintenant que tu as 10 matchs, eh bien, tu peux aller analyser ces 10 matchs plus en profondeur pour aller choisir ton over 2,5. Comme je te disais, tu peux encore diminuer facilement hein, ces 10 matchs. Moi, ce que je ferais par exemple, je te donne mon cas, ce que je ferais ici, c'est que je ne vais pas aller parier en Serie C italienne, je ne vais pas aller parier en Ligue Nord et Ligue Sud nationale anglaise. Donc, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à analyser plus en profondeur. C'est tout à fait faisable, c'est très rapide. On analyse ça en profondeur. On va voir, par exemple, Norwich, Middlesbrough. OK. Alors, avant de te montrer les autres statistiques et voir si c'est une bonne sélection, je vais t'expliquer ici rapidement les attaques en vert, les attaques en rouge. Mais si tu veux avoir les détails de la League Table Analysis, LTA, OK, vu que les critères qu'on a mis, hein, attaque vert, c'est ici, hein, le fameux vert, OK, la défense rouge, et alors la couleur au milieu, c'était jaune, donc défense jaune. Tu vois, les critères, on les a appliqués sur ces couleurs qui sont ici. Et c'est des critères qui s'appliquent sur la League Table Analysis LTA. Si tu veux vraiment savoir avec précision comment fonctionne cette League Table Analysis, j'ai une autre vidéo sur le sujet qui est déjà faite. Elle est dans la même playlist que celle-ci, la playlist Goal Profits. Et il y a une vidéo qui s'appelle Goal Profits, League Table Analysis. Et là-dedans, j'explique uniquement cette partie-là, puisque ça nécessite rien qu'une vidéo à elle seule. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo par après. Eh bien, on va voir. Donc, du coup, les critères ici. Eh bien, on a deux attaques, deux bonnes attaques, OK, en vert, contre une mauvaise défense et une défense moyenne. Donc, c'est le fameux « is not red », OK, défense moyenne. OK, donc les critères, on voit qu'ici sont bien respectifs. Vite fait, ça veut dire quoi une attaque qui est en vert? Ça veut dire que ça, c'est le classement. Donc, 6, ça veut dire que c'est la sixième attaque, OK, du championnat, OK, à domicile, ça peu importe, OK, ici on a toujours le speed domicile extérieur, c'est la sixième meilleure attaque du championnat
à domicile. C'est en VR, pourquoi? Parce que sixième attaque, c'est meilleur que le classement général de l'équipe. Ça, c'est bêtement le classement général de l'équipe. Ils sont dixième au classement, okay? Mais l'attaque est meilleure que le classement général. C'est pour ça que c'est en VR. Idem ici, hein? S'il y a une équipe qui est treizième au classement général, on pourrait se dire c'est une mauvaise attaque. Eh bien non, elle a une très bonne attaque vu que c'est la troisième attaque du championnat. Et c'est pour ça que c'est en VR. Rouge, c'est l'inverse. Rouge, ça veut dire que c'est la position, ici, donc c'est la défense. On a une défense qui est la 21e défense au classement de toutes les équipes, ok? La 21e meilleure défense du championnat, ok? Donc très mauvaise défense. Et la position classement, c'est toujours la 13e. Donc la défense est beaucoup moins bonne que le classement général de l'équipe, c'est pour ça que c'est en rouge. Le jaune, c'est simplement une situation au milieu où c'est quasiment, en fait, similaire à la position du classement. OK? Donc là, je t'ai donné vraiment une explication rapide, mais je te rappelle, va voir la vidéo sur LTA, League Table Analysis, pour comprendre ça en profondeur. Donc, du coup, eh bien, ce que je te disais ici, une fois que tu as les matchs, hein, les six premiers matchs, tu vas voir les statistiques, évidemment, de chaque match plus en détail. Hein, OK? On ne parie jamais à l'aveugle. Hein, c'est quand même ton argent que tu risques. Donc, parie bien, analyse bien avant de placer tes mises, évidemment. Ici, on t'indique que, voilà, Norwich, c'est 3 over 2,5 sur 6 matchs à domicile. Et Middlesbrough, c'est 5 over 2,5 sur 6 matchs à l'extérieur. Ça fait 8 matchs au total en over 2,5 sur 12 matchs. Donc, 8 matchs sur 12 où on a eu un over 2,5. Donc, si on cumule sur les deux équipes, ça fait environ une cote de 1,50. La cote est de 1,75 pour l'instant sur Orbitix ou Betfair. Donc, on peut dire qu'elle est bien payée au vu de ses stats, mais c'est pas la seule chose à regarder. Ensuite, tu regardes par exemple ici. Hein. Alors là, je te réexplique vraiment ce que Steve explique dans son article, ok? Ce qu'il analyse plus en profondeur. Ici, ensuite, il regarde les 4 sites de prédiction. Un point positif, c'est que 3 de ces 4 sites annonce un score avec plus de 2,5 buts. Donc, ça, c'est un point positif. Donc, la première chose que je te disais ici, c'est le taux de 2,5. Pour moi, il est assez positif, même si on préférait avoir les deux en vert. Hein. On a vraiment, si on cumule les deux, on voit qu'on a quand même pas mal d'over 2,5. 8 sur 12 matchs, c'est pas mal. Les prédictions vont dans le bon sens. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est, quand on parie sur un plus de 2,5 buts, la situation favorable, hein, c'est d'avoir un but en première mi-temps. Si tu n'as pas de but en première mi-temps, c'est déjà mal barré. Donc, c'est bien qu'il y ait au moins un but en première mi-temps pour faire rentrer ce pari. C'est ici que tu vois cette statistique-là. Donc, pour Norwich, eh bien, dans 5 de ces 6 matchs à domicile, il y a eu au moins un but en première mi-temps. C'est positif. Et même chose pour Middlesbrough à l'extérieur. Donc, c'est positif aussi. Donc, ici, on a pas mal de points positifs. Une cote assez bonne, hein, au vu des stats, puisque les stats sont très très fortes, on a une cote assez bonne. Donc voilà, pour moi ici, on a déjà eh bien une possibilité de pari pré-match à placer. Et ensuite, tu fais ça avec les matchs suivants. Ok ? Ici, je ne vais pas refaire la même chose, hein, sur les 6 matchs. On a une cote de 2, encore mieux. On a 2 sites de prédiction sur 3 qui annonce un over 2,5. On a des bons taux d'over 2,5. Donc, c'est aussi un pari intéressant. Je vais essayer d'aller tomber sur un pari moins intéressant. Mais ici, il est super, super intéressant. Et c'est bien parce qu'ensuite, sincèrement, dans ce cas-ci, ce que je vais te conseiller de faire, moi, c'est que tu vois que, imagine que j'analyse en profondeur les six matchs ici, hein, de Championship League 1, League 2 et National League. Et que je me dise, oh voilà, en fait, les stats sont très bonnes pour les 6, les cotes sont très bonnes pour les 6, eh bien, je ne vais pas les placer quand même les 6 paris, ok? Parmi les 6, là, tu vas aller en choisir un ou deux qui, pour toi, sont les meilleurs, ont les meilleures stats et la meilleure cote, et tu vas les placer que ce pari ou ces deux paris maximum, ok? Retiens toujours qualité avant quantité, et ça te permettra, bien, d'avoir encore un meilleur ROI. Donc, j'en ai terminé pour cet exemple live. Quand je dis live, c'est au moment d'enregistrer cette vidéo. Je sais que c'est très technique, mais je trouvais ça très précieux et très intéressant à te partager. Alors maintenant, tu vas dire, oui, c'est bien, mais moi, j'ai pas accès à Good Profits. Donc, si tu as déjà accès à Good Profits, qui est l'outil que je n'utilise au quotidien
pour trader mes paris, pour parier, pour tout faire. C'est vraiment la Rolls-Royce des outils de statistiques. Si tu as Good Profit, c'est bien, il te suffit d'appliquer les mêmes filtres. OK, de toute façon, tu as accès aussi à l'article de blog. Tu peux charger ces filtres via un lien qu'il y a dans l'article de blog et ils vont directement venir sur ton compte. Donc, c'est super rapide. Si tu n'es pas membre et que tu as envie de tester, eh bien, tu peux de toute façon tester pour 14 jours pour 1 euro. Tu n'auras pas accès à 100% de Good Profits, mais tu auras accès à une bonne partie et tu vas réaliser quand même la puissance de cet outil. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo pour trouver des paris over 2,5 en quelques minutes par jour. Okay. Là, ça m'aurait pris quoi? Même pas 10 minutes hein, pour cette grosse journée avec une centaine de matchs. Et je m'en sors avec un ou deux paris pré-match de très, très bonne qualité pour l'over 2,5. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, partage avec un maximum de tes amis et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.